l'ombre s'épaissit. It's a go, aller au campement d'Albedo. Et ça rime. Aller au campement d'Albedo. Et ben c'est parti. Oui. Du coup, on va voir le deuxième Albedo. Enfin, j'espère. Parce que, ouais, bah, si vous avez pas vu la partie 1, allez la voir tout de suite. Parce que là, vous allez rien comprendre. Hein. Albedo. Albedo. On est là. Voyageur Paimon, comment se passe votre enquête? À voir au visage, j'ai l'impression que vous n'avez rien trouvé. Bien, on a cherché dans toute la montagne, mais on a vu personne qui vous ressemblait, ni entendu parler de quelqu'un qui vous aurait rencontré. Et puis c'est à moi qui pense, ou peut-être qu'il a toujours été discret, c'est possible. Cependant, j'ai quand même trouvé quelque chose. J'ai découvert des traces de pas à certains endroits de la montagne. Et bien qu'elles commencent à être recouvertes par la neige, j'ai pu voir qu'elles avaient été laissées par une personne de même taille que moi. Il y avait pas mal de traces, donc je pense que la prochaine étape consiste à procéder par élimination pour écarter un à un les aventuriers présents à Dos Dragon. Oh, ça va être chiant ça. Alors maintenant, Hein? Que se passe-t-il? Ça venait de cette direction. Qu'est-ce que c'était? Attends, mais arrêtez de parler, c'était quoi ça? Mais dégage, c'était quoi? L'ombre s'épaissit, je sais, mais c'était quoi? C'était d'avalanche? Suivez la source du bruit. C'est bien beau ça, mais source du bruit, bon du coup tu vois ça vient, oh, un sanglier, et une avalanche là tu vois, ah par contre le sanglier, tu vois donc, lui va falloir que je le bute lui, hein. Lui si je veux être tranquille je vais devoir le buter, hein. Est-ce qu'on se ferait pas un petit gardien des ruines, non c'est pas un gardien des ruines ça c'est un... Un colosse des ruines, ouais. Est-ce qu'on se ferait pas un petit colosse des ruines, les gens? Ok, d'accord. Ouais, non, mauvaise idée. Je regrette. Mauvaise idée. Ok, d'accord. En fait, il était pas si terrible, tu vois. Bah, j'ai mon ulti de chargé, frérot. Tu pourrais faire un effort. Par contre, je vais crever de froid. Ah, mais c'était un coffre. Ça donnait un coffre, je savais pas. Attendez, mais... Bon, bah, super, j'ai gagné des primes en plus. Écoute, merci beaucoup, hein. Oh, je suis tellement bientôt R56. Ça va être ouf, ça. Eh, vous avez vu ça? On dirait que ces rochers ont bougé, non? Oui, effectivement. Yula? C'était moi une. Yula, quoi? Qu'est-ce que vous faites ici, les gars? Ah, bah, Bennett! Et Amber! Vous n'avez vraiment pas eu de chance. Bah, je m'en doute, Bennett, avec vous. Je dois avouer que je suis d'accord. Cela fait des jours qu'on se balade dans le coin. On a vu Palad un peu plus tôt, vous savez, celui qui prend des risques inconsidérés. Ah, mais du coup, ça fait plusieurs jours. Il y a eu plusieurs jours entre. Ah, ok. Vous voyez, enfin, en tout cas, et. Il a dit qu'il n'avait pas de chance, alors je lui donnais quelques trucs de survie d'aventurier. Après cela, elle a disparu pour rejoindre le camp d'entraînement. Donc là, on parle de Palad, là, mais Palad, on s'en fout de Palad. Bien, comme tu peux le voir, vraiment, on s'est juste retrouvé dans une ou deux avalanches. Un accident de terrain, la routine, quoi. Mon pauvre Bennett. Ça me paraît plutôt notable comme événement. Je suis désolée, c'est à cause de moi. J'ai toujours une malchance contagieuse. C'est rien, Bennett. Il y a deux côtés sur une pièce, donc j'ai 50% de chance d'avoir juste. Hein, quoi, attends, tu tires à pile ou face si t'as de la chance, de la malchance ou quoi, là? La chance, est une histoire de probabilité, après tout. Donc si j'ai déjà utilisé toute ma malchance, le reste ne peut que bien se passer. Eh, hey, mais Bennett, il a beau être malchanceux, il est intelligent, hein. Laissez-moi voir, c'est par là, non? Bennett? Je savais! Bon, est-ce qu'on va se rendre au campement, oui ou non? Retourner au campement d'Albedo. Ah, mais du coup, bah ok, on aura vraiment presque rien fait comme chemin, quoi. À la file indienne. C'est clairement ça. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il peint? Il peint une chaise? Attendez, la chimie peut transformer les dessins en objets? Hein? Mes dessins sont comme des ébauches. La chimie ne permet pas juste de mettre la partie fabrication dans ce processus. Il s'agit d'une technique de niveau élémentaire. Avec suffisamment de recherche et d'expérimentation, cette même technique peut être utilisée pour créer des êtres vivants. Ah! Mais il est dangereux le bédo en fait. Je prendrai un tabouret. Aucun problème. Combien d'entre vous veulent un dossier? Moi. C'est trop mignon. Une chaise, c'est trop grand pour toi. Comment je la remets à sa place? J'adore. À l'instant, le bédo crée 5 chaises pour tout le monde. Mais moi, j'aurais un vieux tabouret. Regarde mon vieux tabouret, moi. Pourquoi moi j'ai décidé d'avoir un tabouret? Eh, hey, je préférais un dossier là. Vas-y là, pourquoi j'ai un vieux tabouret? Regarde, mais vas-y. Regarde, j'ai un vieux tabouret, je suis pas d'accord. Bon, est-ce qu'on peut parler à Amber? Amber, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est tellement agréable ici.
Parle-moi de Joël, parle-moi de... Oh, mais en fait, là, attends, là, on peut débloquer des trucs, genre, parce que l'événement, quand il sera plus là, on pourra plus lui parler de tout ça. Donc là, il va falloir débloquer quelques petits easter eggs, là. Comment vas-tu? Tu sais, quand je tenais beaucoup compagnie à Joël, mon grand-père a commencé à beaucoup me manquer. Après sa disparition, je n'ai jamais revu et j'ai aucune idée de ce qu'il est devenu. Mais au moins, je peux me concentrer sur le fait de devenir une grande éclaireuse. Si j'y arrive, je suis sûre qu'il sera fier. Attends, ça m'intéresse vraiment de parler à Bennett, là. Ça m'intéresse vraiment de parler à Bennett, parce que tu vois, Humber, c'est... Ah bah, Humber, c'est le premier personnage de Genshin, et donc Humber, on la connaît vraiment très bien, Humber. Bennett? Bennett, on n'a rien avec lui. Bennett, on n'a absolument aucune quête. Ah, Bennett. Je sais pas s'il faut que j'aille aider. Parle-moi du nouveau. Ok, comment vas-tu, Bennett? Toujours demander de nouvelles. Ah, tu connais, je suis toujours le même, avec toujours autant la poisse. Mais tant qu'elle n'aura pas eu raison de moi, je me relèverai à chaque fois. Ça, c'est un véritable aventurier, ça. Parle-moi d'aujourd'hui. C'est juste pour ça, en fait, que je voulais lui parler. Je suis vraiment désolée de vous avoir entré dans une telle galère. En fait, je ne connaissais pas ces chevaliers avant. Mais après avoir passé du temps avec eux lors de cette aventure, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que j'avais encore à apprendre. Mais... Ah, je t'aime, il est trop mignon. Ah oui, il faudrait que tu me dises un jour comment tu fais pour te faire des amis aussi géniaux. Ah, je suis quand même amie avec les trois archons, hein. Ah, puis t'as Albedo qui fait cuire de la nourriture. Albedo, c'est pas là-dedans qu'on fait cuire la nourriture, hein. D'ailleurs, c'est ici que t'as failli me transformer en lampe de chevet, je te ferai dire. Bon, Albedo, tu peux me dire ce que tu es en train de mitonner, hein. Je sais pas ce que t'es en train de faire, mais il a une drôle de couleur, ton plat. Ça se trouve, il est même pas en train de cuisiner, attendez. Prenez votre temps, le dîner n'est pas encore prêt. J'ai encore quelques petites choses à préparer. Ah, d'accord, ok. Quand est-ce que le dîner sera prêt? Mais ça se fait pas de demander ça, Heather. Dis donc, comment vas-tu, Albedo? J'aimerais simplement pouvoir vous dire que tout va bien. Bah oui, je m'en doute, hein. Y a ton double qui règne, là. Vous êtes un véritable ami pour moi. Oh, ça fait plaisir, ça. Ah, ça fait plaisir. Alors, je me dois d'être honnête avec vous. Dernièrement, mon esprit est occupé avec certaines questions, des questions sur la nature et la vie et la création. Cependant, je pense que me précipiter dans une conversation avec vous sur ces sujets, avant que mes idées ne soient complètement formulées, vous apporterait plus de confusion qu'autre chose. Ok, bon bah quand est-ce que le dîner sera prêt, Bédouin hein. C'est parce que après, voyageur, allumez le feu de camp et rassurez-vous que tout le monde dîne, s'il vous plaît. Ok, bah alors là. Alors là, s'il faut que j'allume le feu de camp, c'est quand tu veux. Alors là, c'est. Wouh! Allumer un feu de camp avec classe! Super, le dîner est prêt! C'est prêt, tout le monde, allez, venez manger! Tout le monde apprécie le dîner autour du feu, c'est génial ça! Ça, c'est super ça! J'ai bien mangé, quel repas merveilleux! Bédo, vous êtes trop modeste, ces plats étaient aussi beaux que ce que l'on peut trouver dans un restaurant haut de gamme! Ah ouais, mais non, mais en même temps, c'est l'alchimie, hein, c'est magique, hein! Ah, lui, il est trop mignon quand il sourit! Ah! Ouais, du coup, pourquoi on le regarde tous, là? Le pauvre, arrêtez, on le déstabilise. Mais arrêtez de le regarder. Mais j'ai envie de dormir avec toute cette nourriture. Pourquoi tout le monde est fatigué tout d'un coup? Ah, mais Bennett, ce n'est pas normal de s'endormir sur une chaise. Ok, là, tu vois, on parle détente et tout, mais moi, je veux de l'action, là. Il va se passer quelque chose d'intéressant, là, parce que là, on est juste en train de parler de nos plats préférés, hein. Bon, on a fini, je peux y aller? Oh non, Yula, reste avec nous. Veuillez m'excuser, j'ai un lac gelé à visiter, hein. Tu vas prendre un bain glacé à cette heure-là de la nuit? Non mais attends quoi? Je croyais que tu voulais dormir, reste ici, repose-toi. Attends, ah waouh les filles, on va se calmer là. D'où tu veux prendre un bain glacé? Il est minuit. Et elles ne vont plus jamais revenir. Imaginez juste. Un bain glacé? Ça sera sans moi, bah sans moi aussi hein. Bon Bennett, on va le laisser. C'est le moment de vous mettre l'impasse sur tous les deux. Hein quoi hein? Préparez-vous à être étonnés. Je sais pas si Heather dessine bien en fait. Et comme si vous savez, ça va être moi évidemment. Comment ça va pas de Payman? Bon bah d'accord, c'est Payman hein, écoute comme tu veux hein. Bennett, observez Bennett, écoutez Bennett dans son sommeil. Oh, j'ai envie de le faire. Et Payman ne touche pas à ça. Mais pourquoi il... Ne touche pas ce mécanisme, sinon tu risques de tomber. Ah! Ah, ça peut peut-être nous indiquer quelque chose, ça. Ok, là, on l'a écouté. Donc, imaginons qu'il y a un mécanisme, faudrait pas que Payman touche pour observer Bennett. Bennett dort profondément avec les yeux fermés. Bah oui, tu m'étonnes, pas dormir avec les yeux ouverts. Non, mais...
Bon, on va commencer par la téléphone, à ton avis. Que signifie l'expression sur mon visage? Payman n'en peut plus, Payman en aura la casquette. Elle a toute... Elle a pas toute sa tête, mais elle n'est pas méchante. Payman n'en peut plus. C'est comme ça que tu me vois? Bah excuse-moi, Payman, hein. Oh, bon, même pas. Passons encore. Allez, pense que tu vois quand tu me regardes. Un casse-croûte d'urgence de première qualité. Un animal de compagnie volant. Oh non, c'est pas cool. Non, vraiment, j'aime pas du tout ces deux noms qu'on donne à Payman. Un casse-croûte d'urgence de première qualité. Parce que tu vois, c'est déjà plus valorisant qu'un animal de compagnie volant, quoi. Oh, je suis désolé, Payman. Oh, y a pas un troisième. Oh, y a pas un troisième choix en mode une amie. Non, bon, bah, désolé, Payman. J'ai fini. J'ai pas envie de voir. Fais-moi voir. Ah, c'est mieux que ce que je pensais. C'est mieux que ce que je pensais, vraiment. Ah, mais du coup, je comprends. Genre, la tête et le corps seraient différents. Ouais, je vois. C'est quoi ça? C'est pas mal, non? Je suis plutôt satisfait du résultat. Oh non, ma pauvre Payman. Elle me fait trop de peine, là, par contre. Je suis trop fière. Ouais, genre, est-ce que vous avez déjà reçu le moindre enseignement dans le domaine des arts graphiques? Non, mais c'est du cœur, non? Quoi, tu as mis tout ton cœur là-dedans? C'est ça qui ressort? Non, mais c'est mignon, Payman. Je voulais juste montrer à quel point tu es spécial. Spécial, hein? Tu penses vraiment que j'ai l'air mignonne là-dessus? Ah, mais oui! C'est fascinant. Payman, si ce n'est pas de votre goût, je peux toujours faire quelques retouches. Voyageur, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous en prie, allez-y, hein. Bon, par contre, Albedo, ça sera plus réaliste que réaliste. Regardez-le comment... Regardez, moi j'acquiesce, c'est tout. Très bien. OMG. OMG. Mais OMG, mais j'en perds mes mots là. Oh, mais c'est beau sa mère ça. Bon, je préfère quand même le dessin d'Aizer, parce que le dessin d'Aizer il est plus kawaii. Je préfère le dessin d'Aizer, mais le dessin d'Albedo est magnifique. Hein. Ah, c'est trop mignon, vraiment. Mais regardez-moi le dessin, mais... Waouh, waouh, waouh. En réalité, un remaniement complet serait effectivement une description plus exacte. Hein. Plus le tableau, plus il me plaît. Maintenant, j'ai mon portrait. Oui, Payman va pas se déplacer avec une toile quand même, si. C'est rien, je peux faire votre portrait la prochaine fois si vous voulez. Vous pourriez l'accrocher dans votre maison. J'ai pas de maison. Ah si, j'ai la sérénité hier. Oh, ça pourrait être cool. Oh, ça pourrait être vraiment cool, ça, par contre. D'avoir un portrait de nous. Ça serait vraiment cool. Tout le monde se repose au camp jusqu'au matin. Oh, mais attends, mais le dessin, mais... Examinez le portrait. Eh, mais je veux une photo, en fait. Eh, mais je veux une photo. Attendez, je prends mon Aizer. Attends, je prends mon Aizer et je prends ma photo, hein. Là, je prends... Attendez, j'attends juste une petite animation d'Aizer et je prends ma meilleure photo, hein. Oui... Oh, alors là, c'est une super photo. Je kiffe. On va garder Aizer. Écoutez, les gens, hein, on va garder Aizer. Parler avec tout le monde. Ah, mais ils sont de retour, les gens. J'arrive. J'arrive. Bonjour. Oui. Ok, c'est parti. Là, on va rejoindre le camp de base, là. Attends, on va directement se faire TP ou on va y aller, là? Oh, cinématique. J'ai lancé une nouvelle pièce. Elle est encore tombée du mauvais côté. Oh, rip. Alors tu as épuisé toute ta malchance, on va descendre de cette montagne, on n'a rien de temps. Oui, c'est exactement ce que je pensais, je suis dans un bon jour. C'est une super animation, wesh. Oh. Oh. Oh oh. Oh oh. Une avalanche. Oh. Fais attention. Oh. Oh, comment la protéger, Amber? Non, Pénette. Oh. Albedo, Pénette. Attends, mais nous on fait comment là? Oh non. Non. Oh, attendez, par contre, c'était trop mignon comment Yula, elle a aidé Amber. Vous n'êtes pas blessé? Non, personne n'est blessé. Ah non, par contre, attends, Albedo et Bennett. Non, moi aussi, et toi, nous, on va très bien. Je me suis fait un peu mal au bras, mais c'est rien de grave. Quel est-il de vous? Ok, bon bah tout le monde a l'air de bien aller par Amber, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés? Bah attends, mais on va aller les chercher là. Mais arrêtez de parler, on va les chercher là. Mais oui, attendez, wow. Aizer, le secours. Descendez la montagne, mais attends, ils sont allés où?
Parce que du coup, le pont, il a été... Ah ouais, mais le pont, il a été... Bah, le pont était déjà détruit, en fait. Là, je sais pas, il y a un truc. Oh. Bah, va peut-être aller là. Les gens... Ah, Bennett, t'es là! Bennett! Tu vas venir, Bennett? Je pense pas te blesser. Oui, mais Albedo! Albedo! Mais Albedo! Où Albedo? Il est pas avec vous! Mais non, il est avec toi! Il est tombé avec toi! Albedo! Attendez, à tous les coups, on va trouver le mauvais Albedo! Oh, à tous les coups, on va trouver l'imposteur! Albedo! Attendez, là, il y a deux endroits qui m'indiquent sur la carte. Donc, faut pas que je me trompe d'endroit en fait. Ok, ça me propose deux endroits. On est là! Hein? Ouais, alors non, non, laisse-moi tranquille, toi. Albedo? Il est pas là non plus? Par contre, je vais mourir de froid là. Ah, c'est là qu'il y a le cœur de son ami le dragon. Ouais, il est toujours vivant, vous voyez. Enfin, il est toujours vivant. Il est bof en fait. Bon, Albedo, je l'ai vu. Ah, mais il le retrouve. Ah non! Attends. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais les gars, vous m'avez pas attendu en fait. Y a pas Albedo dans le coin, hein. Y a vraiment que dalle. Aucun signe de lui, mais non, personne l'a vu. Pas une trace. Rien pour moi non plus. Mais what? Où voilà? Mais tu vois, je le vois dans tes yeux, t'es mort, on dirait, mec. Attends, bof, hein. Vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé? Rien de sérieux. Très bien, on a retrouvé tout le monde. Ça va beaucoup trop vite. Les gars, je pense que ça a quelque chose à voir avec moi, la valanche tarée, parce que je suis là. Non, Bennett! Non! Non! Non, Bennett! Non! Ce n'est pas ta faute! Mais était-ce vraiment un accident? Eh, moi, vraiment, je suis parano, mais là, je pense que je suis parano comme Heiser, hein. L'incident est passé à présent, mes amis, on devrait continuer. Pourquoi j'ai l'impression que le dragon est devenu plus dangereux que d'habitude? Eh, mais lui, on doit trouver l'autre Albedo. Attends, mais je... là, j'ai un doute. Est-ce qu'on est en présence du vrai Albedo ou de son imposteur? J'ai un doute, là. Hein. Descendez la montagne en compagnie d'Albedo. En compagnie d'Albedo, tu vois, je l'aime pas du tout, cette fin de phrase. En compagnie d'Albedo. Donc là, on va descendre la montagne. À tous les coups, il va y avoir une cinématique hyper stylée. On va avoir un deuxième Albedo. je prie pour que ça arrive, en vrai. Ça serait vraiment stylé. Non, mais moi, ce que je veux, par contre, ce que je veux vraiment, c'est notre portrait dans la sérénité hier. Genre que Albedo, il nous fasse un portrait qui nous mette dans la sérénité hier. Enfin, vous comprenez où je veux en venir, tu vois. Ouais. Je regarde vraiment s'il pourrait se passer un truc. Faut pas que j'oublie aussi le truc avec le mécanisme et payment, hein. Je pense à trop de choses, hein. Ça se trouve, ça va absolument pas se passer comme ça, hein. C'est vraiment qu'on se dirige dans cette direction, on doit se rapprocher de... Sens. Victoire en vue, bra... Ah, mais oui, on parle du camp, là, ouais. Bon, on va le rejoindre, ce camp, du coup, ou pas? On dirait qu'il y a quelque chose qui accapare l'attention de Yula. Est-ce qu'elle se sent quelque chose n'a pas... mais attends, mais... Je pense que Yula et Aizer, ils sont assez proches pour se comprendre, hein. Est-ce que c'est par là? Oui. Génial, oui. Je suis pas sûr, hein. Non, mais vraiment, le Albedo me fait peur, hein. J'arrive pas à savoir si c'est le vrai ou si c'est le faux. Suivez-moi. Oh. Exactement ce que je pensais. Ouais, c'est pas le vrai, c'est pas le vrai. Tout le monde suit Albedo. Avec une téléportation forcée en plus. Ah. Attendez. Ok, on se retourne tous, oui, quoi, oui. Bennett et Humber n'ont pas l'air d'aller bien. Est-ce qu'on peut faire une petite pause? On pourrait continuer quand ils iront mieux. Attends, d'où tu sors ça, genre... Ah, maintenant que vous le dites... Hein, je... Tu t'es cogné la tête tout à l'heure, non? Tu as remarqué, t'es sûr que ça va peut-être... Ah, mais attends, ils sont... Les deux, là, ils sont à deux doigts de s'évanouir et peut-être mourir d'hémorragie interne. Waouh. Prenez une pause, tous les deux. D'accord, désolé, merci. Merci les gars. Ah mais d'accord, en fait les deux là ils étaient prêts à mourir d'hémorragie interne et nous on l'aurait pas vu. Eh par contre je vais me retrouver seul avec Albedo là, ça veut dire. Ah ouais. Ouais. Humber, comment vas-tu Humber? Humber, c'est toi qui m'intéresse Humber, comment vas-tu? Ah mais il est trop mignon, regarde, il l'empêche de s'évanouir. Mais oui, il a l'air de s'y connaître, il confronte ça tous les jours. Toi, j'ai pas envie d'être parlé de toi, Albedo, hein. Tu me fais peur, toi. Hein. Bon, Yula, voyageur, je connais ce regard, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si quelque chose de mal allait t'arriver. Peut-être que c'est quelque chose que l'on sent avec l'expérience. Je le sens, moi, si on dirait que quelque chose a changé, mais je n'arrive pas à en être sûr, c'est difficile à dire. C'est Albedo qui a changé, c'est pas le même. Ça pourrait bien être... Voilà! Voilà! Voilà, regarde, regarde, tu le vois dessiner, là. Il dessine notre mort, il écrit notre nom dans le Death Note, là.
Il pourrait être imprudent de spéculer à haute voix, mais je crois que vous savez ce à quoi je fais référence. Oui, ouais, je le sais, moi aussi. Oh! Oh! Stop, stop! On l'a entendu! On a très bien entendu le rire machiavélique d'Albedo, là. Ok, on l'a, vous. Attention! Comment ça, attention? Comment ça, attention? Comment ça, attention? Comment ça, attention? Qu'est-ce qui se passe? Je le savais! Je le savais! Il allait nous tuer! Oh, c'est stylé! Oh, et la musique, j'en parle même pas. Et puis eux, c'était pas au courant. Allez, on le défonce! Oh, incroyable. Humber! Humber en action! Bennett! 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 Mieux qu'un film! Mieux qu'un film! Waouh! Mieux qu'un film! Mais du coup, il est où le vrai Albedo? Vas-y, c'est ça, montre-nous de quoi t'es capable. On est 4 contre 1. On est 4 contre 1, vas-y. Oui, c'est beau les gens, mais vous laissez pas déconcentrer. Qu'est-ce qui... Oh! Le vrai Albedo! Le vrai Albedo! Et voilà. Oh mais attends, mais... Ils ont tué un personnage? Ils ont tué un personnage pour la première fois? Qu'est-ce que... Ce n'est pas terminé, hein? Oh, mais c'est stylé, sa mère! Oh, cassez-vous, 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 cassez-vous! Là que je l'ai... Hein? Hein? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette fleur mensongère gigantesque? Éliminer le monstre? Mais c'est quoi cette fleur mensongère et... Mais attends, par contre, la cinématique, elle était ouf! Wow, mais attends, la cinématique, elle m'a... Mais c'était une cinématique de film, hein. Ils sont trop forts. Leurs cinématiques, elles sont de mieux en mieux, c'est incroyable, ça. Ok, 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 ok. Ah tiens, Blob, coucou. Tu dégages, tu dégages, maintenant je te défonce, maintenant je te défonce. Oui, oui, je dis oui, je dis oui. Non, c'est pas le moment, je dis oui. Allez, revenu taille normale. C'est drôle quand t'as une taille normale, non? Moi, je dis que c'est drôle. Ok, d'accord, elle est repartie sous terre. Oh mais toi tu vas mourir toi. Toi tu vas mourir toi. Aïe. Attends. Dégage. Et voilà. Aïe. Attends, il a eu le temps de me balancer une boule de neige à la fin quoi. Bon du coup l'autre Albedo il va mourir. Par contre j'ai mon écran gelé, ça c'est nul. C'était quoi ce truc? C'est passé d'humain à plante. Tout le monde va bien? Oui. Quelqu'un veut dire ce qui s'est passé? Bah fou Albedo hein. Il s'agit d'une fleur mensongère mutante, une espèce extrêmement rare. Ah ouais mais je savais que c'était une fleur mensongère tu vois. Attends, mais en fait, les fleurs mensongères, c'est v'là dangereux, moi. Moi, je les tue pour avoir leur venin, enfin, leur truc pour améliorer ma marketing et tout, mais... Attends, mais c'est v'là dangereux, en fait, ça peut prendre l'apparence des humains. On a failli mourir, quand même, hein. Voyageur, comment avez-vous réussi à me différencier de mon imposteur? Bah, techniquement, je le savais avant Heiser. Moi, j'avais le pressentiment avant Heiser, donc c'est moi, hein. L'imposteur n'avait pas de marque en forme d'étoile sur le... dans le cou. Hein? Hein? L'imposteur n'avait pas de marque en forme d'étoile dans le cou. Albedo? Je vois. Oh! Oui! Oh, je l'aurais jamais remarqué, ça, par contre. Je le reverrai au rec. Je le reverrai au rec, ça. Hein. Mais ça, par contre, je l'aurais pas remarqué. Oui, je la vois maintenant. Oh! Ce détail insignifiant. Oh! Eh, je le verrai au rec, maintenant. Wow, j'ai bien mérité de donner... À... Mes personnages ont bien mérité de bouffer. Hein. Vous pouvez tous bouffer autant que vous voulez, hein. Ok, nous voilà ici. Ici. Ouais, faut aller là-bas. Ouais, ouais, ok, ouais, ouais, on arrive. Bon, Albedo, il serait peut-être temps de s'expliquer là. Et aussi, je voudrais prendre ma commande pour mon portrait. Hein. Pourquoi pas, venez avec moi. Je savais qu'il avait quelque chose à dire. Vous l'avez demandé, n'est-ce pas? Alors, allons-y. Bah, go, hein. Allez, Payman. Puisque c'est comme ça. Allez, on retourne au camp. On part tout de suite? D'accord. Hop là, une téléportation forcée. Et hop là, c'est encore un fou Albedo. J'espère pas. Parce que là, je suis pris au piège et là, genre, il y aura personne pour m'aider. Cette marque est un signe de mes origines artificielles. Et la preuve de mon imperfection en tant qu'humain. Oh là là, tout de suite. Rejoins la guilde d'aventuriers, pas de problème. Allez, go. Maintenant, on redescend la montagne pour aller revoir la guilde des aventuriers. Oh. Oh. Mon histoire. Oui, j'aurais dû savoir.
Le spécimen raté du maître dans le ventre du dragon. C'est là que tout a commencé. Si j'étais à ta place, si j'étais toi le survivant, alors, en tant qu'expérience abandonnée, l'échec du projet humain primordial, je voudrais également te remplacer. J'imiterai ton apparence, j'étudierai ton alchimie, et je créerai ces formes de vie miraculeuses afin de détourner ton attention. J'atteindrai le moment opportun pour me débarrasser de toi et du voyageur, la seule personne ayant découvert ton secret. Et ensuite, je pourrai enfin ressentir la joie de faire partie de ce monde. Vous pouvez pas nous laisser là-dessus. Vous pouvez pas nous laisser là-dessus. Meilleur événement. Je dis ça à chaque quête, je dis ça à chaque événement. Mais à chaque événement et à chaque quête, ils se surpassent.